hip hop get good got booty. Salut à tous les addicts Fusion 009, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la MLS All-Star Cup. Donc voilà, je suis en finale. Donc je vais vous présenter l'équipe avec laquelle je vais la jouer. J'avais fait une vidéo avec une petite équipe MLS, mais finalement je me suis dit pourquoi pas faire une full tots comme vous le voyez à l'écran. Donc on commence tout de suite avec le gardien. J'ai pris Rimando Tots, je l'ai payé 225 000 crédits. C'est vraiment un super gardien, donc j'ai vraiment pas été déçu. Et puis c'est le meilleur gardien de MLS, donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite à droite j'ai pris Beltran. Je l'ai payé 150 000, donc 88 de vitesse, 75 de défense, 75 de physique, ça fait vraiment l'affaire, c'est vraiment pas mal. J'aurais pu prendre Iraola, mais bon, sa vitesse, j'aimais pas trop, donc j'ai préféré prendre Beltran, tout simplement. Ensuite, en défense centrale, j'ai pris Simon. Donc Simon, en fait, c'est un défenseur belge. Il est né en 85, il a 78 de vitesse, 88 de défense, 85 de physique. Je l'ai payé 81 000, c'est celui où j'ai galéré le moins pour l'avoir, donc c'est un super défenseur également, donc je le conseille. Le deuxième défenseur central, j'ai mis Bessler, tout simplement parce que Bessler, il a des bonnes stats défensives en physique et en vitesse. Je l'ai payé quand même 300 000, mais bon, il est très très bon, donc j'ai vraiment pas regretté cet achat. Ensuite, à gauche, j'ai mis Bezley, donc en fait, il a 90 de vitesse, il n'a pas une très très bonne stat de défense, mais il a un bon physique, donc ça fait l'affaire aussi, même si j'ai pris le feu souvent à gauche. Pour 300 000 crédits, je trouve que ça fait un petit peu cher, donc si vous avez les crédits, prenez-le, sinon franchement, ne vous attardez pas dessus. Dans le milieu, j'ai mis en milieu défensif, j'ai mis Gerrard, donc 70 de vitesse, 90 en tir, 92 en passe, il a des stats de fou. Donc lui, je l'ai payé 200 000, mais bon, lui, j'aurais pu mettre n'importe quel prix puisque c'est une légende. Donc voilà, ça me dérange pas. En plus, il a marqué un but avec moi, donc c'était très très bien. Ensuite, j'ai mis Bradley. Bradley, j'ai vraiment pas galéré à l'avoir non plus. Je l'ai acheté à 175 000 parce qu'il était quand même encore cher. Mais lui aussi, il a de très très bonnes stats, surtout en physique et en défense. Donc lui, il fait le taf dans le milieu, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'il a 85 en passe. Et enfin, Clint Dempsey, donc Dempsey, lui, je l'ai mis en milieu tout simplement parce qu'en attaque, j'ai d'autres fous furieux, donc j'ai mis Dempsey pour sa qualité de passe, son physique, donc lui aussi, il fait le taf dans le milieu de terrain, je l'ai payé 300 000 crédits, mais il a fait de très très bons matchs, même s'il a pas marqué avec moi parce que je l'ai fait jouer dans le milieu, donc voilà, je suis vraiment pas déçu. Ensuite, milieu offensif central, bien sûr, j'ai mis Kaka. Kaka tout simplement parce que c'est une légende, c'est un tueur, c'est tout ce que vous voulez, je l'ai payé 200 000. Mais vu la carte qu'il a eue, je pense que même 1 million, je pense que je l'aurais pris. Donc n'hésitez pas à le prendre, c'est vraiment un tueur. Enfin, on passe aux deux BU. Donc j'ai mis David Villa. Donc David Villa, lui, c'était un de mes joueurs préférés quand il était au Barça. Donc je l'ai payé 220 000 crédits, 80 en vitesse, 95 en tir, 75 en physique et 90 en dribble. 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique. C'est vraiment un tueur, il n'y a rien à dire. Le deuxième BU que j'ai mis, c'est Sebastian Giovinco. Donc lui, c'est vraiment un tueur parce qu'il m'a marqué 9 buts, tout simplement. En 4 matchs, il m'a mis 9 buts. Oui, parce qu'en fait, je vous fais le squad builder après la finale. Donc, parce que j'ai tout simplement pas pu la faire avant. J'avais complètement oublié que j'avais fait une autre vidéo et que c'était pas la même équipe. Donc, je vous repropose ce squad builder aujourd'hui. Donc lui, je lui ai payé quand même 430 000 crédits. Mais c'est vraiment un tueur. Pour moi, c'est meilleur que Dybala Tot. Donc, n'hésitez pas à le prendre si vous avez les crédits. Donc, je vais vous montrer l'équipe en entière, ce que ça donne. Vous voyez en bas également que j'ai acheté Obafemi Martins. Donc Obafemi Martins, je l'ai acheté tout simplement au cas où si j'ai besoin de le faire rentrer. Donc lui pareil, il a mis 4 buts en 4 matchs, joue avec moi, donc il a été énorme également. Donc voilà, on va tout de suite passer au premier match. J'espère juste que son équipe, ça va pas être une trop grosse équipe. Donc FC Mianus, le prochain adversaire, on va voir. Et c'est également une full tots, donc avec Martin, Giovinco, Dempsey, Castillo, Bessler. Ah, il y a Opara qui n'est pas tots, mais bon, il est très 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 rapide, donc je pense que ça va être un match assez serré. On va voir ça tout de suite. Donc c'est parti pour cette finale, j'espère vraiment qu'on va la gagner. Donc on a deux belles équipes chacun, donc ça va vraiment être un beau match, je pense. Donc c'est parti. Donc, son Martins à la balle.
Il a l'air d'être pas mal déjà. Dès le début, je sens qu'il sait quand même jouer. Là, voilà, Jovinko, il est dur à aller chercher au physique. J'arrive pas à lui prendre le ballon. Non, pas de faute. Et non. Oh là là. Penalty dès la deuxième minute, les gars. Ça commence très 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 mal. Regardez-moi cette faute. Le mec, je lui tire le maillot et il tombe vers l'avant. Mais sérieusement, c'est du n'importe quoi. Je comprends pas ce genre de faute, je sais pas. Enfin bref. Allez, on va essayer d'arrêter ce penalty. Allez, allez le gardien. Allez Rimando, on y croit. On part du bon côté. Oh là là, 1-0 pour lui. Dès la troisième minute. Belle opportunité pour lui sur le côté avec Castillo qui rentre dans l'axe. Heureusement que je la récupère et je la dégage. J'ai vraiment du mal, j'arrive pas à défendre contre lui ni à l'attaquer. La transversale de 50 mètres qu'il me fait, je sais même pas comment ça, il a réussi à faire ça, donc je sais pas du tout. Allez, on a Kaka qui revient et qui va peut-être frapper la frappe. Et c'est contré, il y a toujours un pied quelque part, je sais vraiment pas quoi faire. Enfin bref, c'est pas très très grave. Jovinko qui se retrouve face au gardien et il arrête le ballon. Oh là là, c'était vraiment bien joué encore une fois de sa part. Et là, il écarte le ballon sur Obafemi Martins. Finlay qui se retourne, Finlay qui frappe, qui centre, pardon. Bon, on va se calmer. On va reprendre le match du bon bout, tout doucement. Villa pour Jovinko, la frappe et le but. L'égalisation de Sébastien Jovinko, le sauveur. Sébastien Jovinko. Un but partout, l'égalisation à la 31e minute. Je suis bien revenu dans le match. Jovinko qui frappe l'arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien sur cette frappe de Jovinko. Le centre peut-être s'est dégagé. Ça retourne dans les pieds de Jovinko, la frappe. Oh là 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 là, quel but. Quel but de Sébastien Jovinko. Encore une fois, Jovinko toujours 2 buts à 1. À la 45e minute, on prend le match par le bon bout. Il va falloir maintenant tenir ce score et pourquoi pas aggraver ce score de 2 buts à 1. Corner pour lui, pas de but avant la mi-temps, s'il vous plaît. Déconnez pas mes joueurs, s'il vous plaît. Dégagement de la tête, Bradley qui récupère la frappe de Bradley. L'arbitre qui siffle la mi-temps au même moment. Donc au niveau des tirs, je suis supérieur. Castillo à la 53e minute qui dribble. Qui fait une passe dans l'axe pour Martins qui se retourne. La frappe de Martins et le but. L'égalisation d'Obafemi Martins. C'est dommage parce que je tenais ce match par le bon bout. Et maintenant, je vais sûrement galérer, je pense. C'est un beau but, certes. Mais bon, c'est dommage car je tenais le match. Et je me fais reprendre comme ça. C'est dommage. Donc là, Kaka qui récupère la frappe de Kaka. Et l'arrêt du gardien. Son gardien, il fait vraiment le taf. Jovinko, peut-être qu'il n'est pas hors-jeu. Ah si. Si, si, il est hors-jeu. C'est dommage. Allez, on attaque avec Dempsey. Faut que je la récupère. Beasley qui perd le ballon, mais que j'arrive à la dégager. Heureusement. Heureusement qu'il était là. Deux buts partout à la 86e minute. Peut-être la balle du match au Obafemi Martins. Oh là 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 là, ce qu'il loupe. J'ai jamais vu ça. Oh là là. Et c'est la fin de ce match. Donc on aura le droit à une prolongation. 98e minute, Sébastien Jovinko qui récupère le ballon et qui frappe et c'est le but. 3 buts à 2, les gars, on prend le match par le bon bout. 3 buts à 2 pour nous, va falloir tenir maintenant jusqu'à la fin du match. C'est vraiment un match à suspense, ça fait plaisir pour une finale. 105e minute, l'arbitre qui siffle la fin de la première mi-temps de la prolongation, c'est super. Corner pour lui. C'est dangereux ce genre de passe. Surtout pas de faute, pas de pénalty maintenant. S'il vous plaît, mon joueur qui s'écroule dans la surface. J'arrive pas à récupérer le ballon. C'est dangereux. Heureusement que Beasley il était là encore une fois. Martins qui écarte le ballon sur Beasley. C'est bien joué ça. Le centre. Oh là 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 là. Ça aurait pu faire but. Martins encore une fois. Dempsey. Je casse les jambes maintenant. 120e minute, je veux pas me prendre de but, je casse les jambes, même s'il y a coup franc pour lui, il va être assez loin, je pense. Oui, il est très loin. Donc, on met un joueur devant le gardien. Attention, heureusement que j'étais là. Oh là là, le cafouillage. Le cafouillage, on dégage le ballon. Et c'est fini.
C'est fini les gars. On remporte cette MLS All-Star Cup avec une full tots MLS, donc ça fait vraiment plaisir. C'était une superbe équipe, une superbe coupe et une superbe finale, vraiment. Moi, j'ai été ravi de vous partager cette finale. Vraiment, c'était un match superbe, je trouve. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez trouvé ce match. Donc, on se retrouve pour fêter le titre. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça vous a plu, à me suivre sur Facebook et sur Twitter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour cette vidéo et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Get girl got